Une première opposition raisonnée face à Colomiers, club voisin de Pro D2. Un rendez-vous sans Romain Tamac, ménager. Il faut que tu arrives à sauter un entraînement pour ne pas te mettre en danger. Ouais, tu le sentais, il faut que tu arrives à te connaître mieux sur ça. Ouais. Tu vois, il vaut mieux freiner 2 jours, 48 heures, et on passe à zéro, ouais, que se perdre 3 semaines. Juju, tout le monde est là, je pense. C'est la merde, les gars. Ok. Joue, 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 joue. Qu'est-ce que t'attends? Oh, pourquoi t'arrêtes? Joue. Putain, qu'est-ce que tu branles? Tu sors, Théo, hein? Oh. Bien joué, les gars. Théo, pour ton cul. Théo, tu te prends pour qui? J'en ai rien à branler. Tu te jettes sur le ballon. Bravo, 22 pour les rouges. Et hop, tu sors. Quand on est dans notre camp, qu'on voit qu'on s'y réorganise, qu'on fait des bleus pour aller toucher les couloirs, c'est pour organiser le jeu au pied. Donc on fait pas de plus, de crochet ou quoi, on fait juste un ruck propre à 3 et ça suffit. On se fout le feu 3 fois pour rien. Après les gars, Antoine, vous voulez tous gameler, tout le monde veut gameler. Théo, tu veux que gameler. Il me manque un mec au ruck, tu sais pour ton cul le ruck. Donc là, je veux pas des mecs qui gamellent, je veux des mecs qui jouent en équipe. Ok, bien Simon, bien Jim. Bon. Ben c'est très bien parce que ça nous met les idées au clair sur 2-3 points. Le premier point, c'est que quand on récite, on est nul. C'est pas moyen, pas... Non, nul. Les jeunes, là, vous essayez de m'annoncer des trucs alors que ça n'a pas de sens. Baptiste, t'es repris sur le fait de montrer qu'on n'est pas dans une station de gare. Ici, on dit les choses, on fait les choses, on s'adapte et on met de la vitesse. Deuxième point, vous vous rendez compte que quand on joue à la baballe devant la défense, ben, tu les arrêtes jamais. On a ramassé bien plus qu'ils ont ramassé. Troisième point, il faut qu'on se pose la question de nos gros sur notre déplacement. On est indigents. Donc, c'est pas grave, il nous reste 5 semaines pour se préparer. Donc, demain, entraînement où on va cogner entre nous, parce que sincèrement, c'est pas normal d'avoir fait un entraînement comme ça. Et stage où ça va cogner. On va changer de braquet, les gars.